fais chier la laine, il est même pas intervenu pour leur péter la gueule. Oh c'est bien, ils vont totalement dans la mauvaise direction. Voilà qui arrange fortement les affaires. Blablabla, vous allez les défoncer. Fini ou pas? Tu les fais flipper. Parce qu'on n'avait pas le choix, si tu es votre, on ne fout pas la guerre. Ça va, je m'en sors plutôt bien là. J'aurais pas besoin de les affronter. J'aurais pas besoin de les combattre. Ni d'utiliser des objets. Juste faire ça en ninja aura suffi. Ça les fait pas réagir. Bon, non, apparemment. Ouais, je viens de sauvegarder pour m'amuser. Je vais essayer de les tuer. Ah tiens, pour m'amuser, je vais même utiliser mes objets. Ah, oh, pas assez loin. Oh, trop. Ah, ça a tiré la laine. Donc tu es... Ah il est fort la gueule, il est fort. Ah bah là pour le coup je me cachais pas. J'étais le bout. En tout cas... Ça m'est assez amusé que quand je les attaque, ce soit la laine qui leur saute dessus.
Mine de rien, je veux quand même essayer de les tuer parce que ils peuvent avoir des objets sur eux. Oh, oh, dans mon dos. Putain, ça m'a, je l'ai entendu. Bon, je vais pas essayer de les tuer, je vais me barrer. Je vais te faire le kéké. Oh non! Oh non, oh mec! Oh bah non, là, 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 attends, ah, mais, ah, là, 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 là. Ah, du coup, la truc elle flotte dans les airs. Là, cette mort fut un peu gratuite. Là, je vais récupérer le machin ici. D'attirer la lienne. Il vient pas. Je voulais lui fermer la porte au nez, ça aurait été rigolo. Mais là, il a pas l'air décidé à se bouger le cul. Oh bah, encore un autre point de sauvegarde. Voilà, pour le coup, ils sont plutôt généreux. Voilà. C'est quoi là-dedans? Oh bah, l'alien. Oh. Ils sont en train de chasser l'alien, genre. Voilà, c'est moi qui chasse. Est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux faire diversion? Aïe, aïe! Je me prends les balles. Je prends la valise. Il balance toutes les balles. Attends, c'est une blague. C'est vrai un truc. Ça me bouffe toutes mes balles si j'en tire une et que je recharge.
de stand-off. Un peu de mathématiques. 13 balles, 6, j'ai 19 balles en tout. Ok. Alors normalement j'aurais plus que 18. Je recharge. Ok, ouais, bon, c'est bon, ok, ça marche. Ça m'a fait peur, j'ai vu dans l'animation qu'elle balançait toutes ses balles. Dans certains jeux, j'aurais pas tilté, mais là, vu qu'elle met ses balles une par une, et que je peux très bien recharger que 3 balles, ou 5 balles, ou 6 balles d'un coup, sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle balançait 6 munitions comme ça. Enfin, 5 cartouches. Pourquoi il a tiré lui? Qu'y a-t-il sur cette tordine vapeur? Rien du tout d'intéressant. Alors je vais sauvegarder. Et à tous les coups, il y a l'alien qui me plante dans le dos. Hop là. Elle se fait faucher le pied par le truc. Alors. Je vais retourner dans la salle où il était quand je l'ai trouvé, ce salaud. Fumigène, pas de mal. Oh, plein d'ordinateurs avec plein de lampes de partout. On vendait des LED à l'époque, ça se vendait comme des petits pains. Faible. Je viens de ramasser des piles, t'as qu'à en mettre, tiens. Oh, c'est ici que je dois aller, je pense. Eh non, il n'y a pas eu d'alien qui est venu les massacrer pendant que je les tuais. Là, il était en congé. Congé maladie. Oh! Je pensais vraiment pas que ça ferait quelque chose. Elle a quand même une portée extrêmement limitée avec son attaque. Tomorrow, no together, future.
Ah bon, faut que j'aille rejoindre mes coupings qui souffrent. Ah mais j'étais déjà venu ici en fait. Alors, enfin je crois. Alors, tac tac tac. Tac 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 tac. Mes deux camarades. Vous avez formellement interdit d'atterrir sur la station. Oh, oh. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas entendu votre message. On pensait que vous seriez. Hey. Identifiez-vous. Ripley, je viens du Torrens. Relax, Ricardo. Ouais, relax, Ricardo. Minorité ethnique. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici, Marshall? Où sont les forces de sécurité? C'est nous, les forces de sécurité. Ah ouais. J'ai vu la créature. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Quelque chose amené ici par Marlowe, le capitaine de la Nessidora. Vous dites que le vaisseau qui a trouvé la boîte noire a également trouvé... Est-il encore un endroit où on soit en sécurité ici? La créature se balade et les synthétiques de Sixon ne sont pas très coopératifs. Ah non, pas coopératifs du tout. Quelle aura besoin de soins? Oubliez le centre de soins. C'est une zone condamnée. Il y a une unité d'assistance respiratoire au QG. Alors allons-y. Il faut qu'on utilise le transit pour se rendre au QG, mais il est en panne. La salle de contrôle des transits se trouve à l'étage. Samuel se dit que vous êtes ingénieur. Allez donc vous rendre utile. Comme c'est vous qui avez fait foirer le piège. Ouais, c'est ça. On en reparlera plus tard, Waits. Protégez-les pendant que je suis pas là, compris? Ricardo verrouille sa fréquence radio pour qu'on reste en contact. Écoute-moi bien, toi. T'as les pupilles dilatées. T'as dû te droguer. Alors c'est pour ça on t'a la chance, je sais pas sauvegarder. T'inquiète pas, Samuels, on va la sortir de là. Mec, tu veux pas déjà la mettre dans une position un peu mieux que ça, quoi? Putain, elle va choper des crampes. Même si je sais que des crampes, disons c'est pas... que l'accueil n'est pas des plus chaleureux. C'est pas son plus gros problème, mais bon. L'autre qui fait le kéké, quoi. Bon. J'ai sauvegardé, alors maintenant je peux tenter un truc. Écoutez-vous. Hein? Oh non! Oh mon dieu! Je me disais cool, on peut les tuer! Et non, ça fait un game over. Bon, fait chier. Bon, alors. Vu que c'est moi qui me tape tout le boulot, où est-ce que je dois aller maintenant? Ok. Allez, dans la salle de contrôle, les transits intestinaux. Rien par là. Ça faisait longtemps que j'ai plus eu de porte comme ça. Eh non, je suis pas rebelle, c'est juste très rigolo de tuer. Et puis franchement, ça a l'air d'être des gros connards, ces flics. Ah là là. Alien et ses éternels. Hein. Là, vous voyez par exemple là, elle a pas balancé toutes les balles avant de recharger. Il en manquait une, et ben on a juste rajouté une. C'est pour ça que ça m'avait inquiété. Ah. Vous entendez ça? Il fait vraiment beaucoup de bruit là pour le coup. D'habitude l'alien il ne fait pas autant de bruit. Je pense que c'est vraiment lui.
coup, ça en fait du bruit, cette conne. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Ah, hostile ou pas hostile? Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde! C'est pas un androïde, c'est moi. Est-ce qu'il va me tirer dessus s'il me voit? J'ai pas envie de prendre le risque. Qu'est-ce qui... Hey, par là! Il avait l'air hostile. Il a dégainé son arme. Alors moi... j'ai dégainé plutôt. Non, bon. Ah. Bizarre, vous avez dit bizarre. Vous ne devriez pas être ici. Oh non. Oh non. Le bouton. Oh le bâtard. Le bâtard quoi. Tut tut. Il faut rire avec ce leur tut tut. Tut tut ta mère ouais. Putain, saloperie d'ascenseur qui m'a mise dans le fion. Bon. En gros, c'était lui qui tapait à la porte comme un glandu. Attends. Pompe fumigène, je trouve ça pas vite. Yep. Ouais, c'est lui le fameux taré d'Android dont l'autre parlait. C'est dommage que j'ai pu pas. Que je n'ai pas fait venir l'Android en même temps que l'autre mec. Comme ça, ils auraient pu se taper sur la tronche pendant que moi j'aurais été tranquille. Hop. Ah, le chalumeau enfin. Futur, ils ont des radios comme ça. Quoi. En même temps, c'est les développeurs du jeu, ils ont dû se mettre dans la tête des mecs qui ont fait le film il y a, je sais pas, quel âge il a, Alien, 20 ans. Comment les mecs de 20 ans voyaient le futur?
Enfin, comment les mecs d'il y a 20 ans voyaient le futur, les progrès technologiques. Ils ont dû se remettre dans cette logique-là hein, pour l'univers du jeu. Bah, ok. Oh, j'adore ce qu'on a dans le film. Dans le film aussi, il y a ça. Bon, ça va, j'ai pas l'air limité en gaz ou je sais pas ce que c'est. C'est assez efficace. En plus, sur le panneau, il y a écrit clairement « Couper le truc en cas d'urgence ». Putain, mettez juste un bouton quoi, en cas d'urgence, et t'as pas forcément envie de sortir le chalumeau et de découper la porte. Ni l'envie, ni le temps aussi. Il y a un incendie, mais on doit couper le truc. Ça va prendre 30 bonnes secondes, mais c'est urgent. C'est un truc d'urgence. Merde, un truc d'urgence, ça devrait être rapide et simple et facile à utiliser sans outil. Lucien Clair, il nous faut des provisions. Prenez ce que vous pouvez et ce que bon vous semble. J'ai trouvé une zone dans les quartiers d'habitation où on pourra s'enfermer en attendant les secours. Des hommes sont en train de souder les conduits et de désactiver les ascenseurs. L'objectif est de rendre l'endroit imperméable. On ne peut pas mettre plus de monde dans le sanctuaire, mais on peut quand même faire de la place pour des vivres, des médocs, de l'eau et des armes. Si on veut que tout le monde s'en sorte vivant, va falloir laisser la pitié de côté. Pas très gentil. Ok. Ouais, et puis ouais, t'as raison en plus. On trouve le chalumeau pile poil quand ça devient la seule issue. On avait trouvé d'autres portes plutôt qui nécessitaient le chalumeau qu'on pouvait pas ouvrir. Mais là, pile poil quand c'est le chalumeau, rien du tout, bah pouf, on le trouve. Ça arrive souvent dans les jeux vidéo, oui, mais c'est un cliché un peu neuf. T'as entendu des voix? Attends, vous êtes barré en me laissant tout seul parce que je vous ai ouvert l'accès. Mais vous êtes des gros chiens. Les pires chiens du monde, quoi. Ok, je vois venir le truc. Ça va mettre 50 ans et pendant ce temps, il y a des gens qui vont arriver. Oh, attendez, là-bas il y avait des portes avant que je crois. Oh, oh. Il a peut-être trouvé un meilleur endroit à dévaliser. Un moyen de quitter le stade ferraille. Ça, ou alors c'est aujourd'hui le jour où on s'enferme enfin dans les quartiers. On vide pas toutes tes balles. Ah, comment c'est possible que je rate ça? Les marshals coloniaux recevront des rapports de tout appel du système ou de passagers. La rejoindre Sinclair, il est hors de question qu'on se sépare. L'union fait la force. Ah, l'union fait la force et la foi fait l'union. De toute façon, mon flingue, je vais en servir contre les humains, parce que contre l'alien, il est complètement inutile. Contre les droïdes aussi, il est utile. De toute façon, ils ont sûrement des balles sur eux.
je veux pas sortir le problème. Attends. J'ai de l'agent collant, j'en ai plein. Mais... j'ai pas de quoi faire. Je n'ai pas de quoi finir un autre medikit. C'est quoi qui me manque? Il me manque du... un pistolet seringue. Ok, bon. Pistolet seringue. Sauvegarde. Hop, hop, hop. Keep out. Oh là là, c'est bloqué. C'est quel? Ouais, c'est le tabac que je vais prendre. C'est parti. Ah, j'avais dit qu'il devait partir sans moi. Oh, je me souvenais pas de ça. Merde. Ouais, mais c'est mon personnage qui a dit, c'est pas moi, quoi. Enfin... pof, pof. Bon, je vais sauvegarder ici. Je viens d'arriver. Hop là. Je sais pas si je suis au bon endroit là. Tour d'habitation de Solomon, là, au bureau des marshals de la colonie. L'état d'aller rejoindre. Ouais, je veux bien, mais. Bureau de marshal de la colonie, je sais pas où il est. Je vais fouiller par là-bas. Mayplay, on est dans le bureau du marshal. Tournez à droite en haut des escaliers. Vous pourrez pas le rater. Pas de comité d'accueil. Bon, allez, ramenez-vous. Terminé. Pile poil quand je me demandais hier où est-ce que c'était, il me dit par haut-parleur. Quelle étrange coïncidence! Seraient-ils en train d'observer? Ouais, je vais y aller directement. Je vais pas tout fouiller d'abord. Je fouillerai tout une autre fois. Toc toc toc! Il m'a dit à droite en montant les escaliers. Fuck. Fuck the mortal. Rip Senator. Ils veulent faire l'amour avec les marshals. C'est qu'ils les aiment. Donc c'est donc que ces marshals sont appréciés. Du calme. On est en sécurité maintenant. Wade, c'est un plan. Un plan? Sérieux? Ces putains de plans lui ont pas vraiment réussi jusqu'ici. Encore de méchants, ça? En tout cas pour l'instant.
ils ont fait pour venir jusqu'ici avec un blessé tout en laissant des salopios en chemin. Ah vraiment, elle vise vraiment comme une truite. Ah, ah c'était des civils, mais je savais pas moi, il n'y a pas écrit sur leur front aussi. Mon dieu, mon dieu. Bon. Ripley, on est dans le bureau du Marshal. Tournez à droite en haut des escaliers. Ça explique comment ils ont réussi à aller jusqu'à leur bureau. Terminé. Avec un blessé. Du coup, l'incohérence que je soulignais, ben, du coup, elle est cohérente. Putain, merde. Tout à l'heure, en ici, j'avais trouvé de quoi. Putain. J'ai l'impression que les loots, même dans les coffres, sont. Ah, bah, heureusement, j'ai ramassé ça. J'ai l'impression que les loots, même dans les coffres, sont aléatoires. Toi. Tout à l'heure, j'ai ramassé de quoi faire une seringue. On est en sécurité maintenant. Ah, non, j'allais dire, c'était petit ici, mais non. Ouf. C'était vous. Vous avez fait remarcher le transit. Bien joué. En tout cas, pour l'instant. Ah, c'est moi qui fais tout marcher par ici. Comment va Taylor? Son état est stable. Elle sera remise sur pied en un clin d'œil. Samuel, c'est avec elle. Bien. Vous avez réussi à rétablir le transit? Je pense qu'on est quitte. Où est Ricardo? Il prépare la suite. Je suis occupé, comme vous pouvez le voir. J'ai mis Marlowe au trou. Vous savez, le voyou qui s'est ramené avec votre boîte noire. Où est le vaisseau de Marlowe, la Nessidora? Il l'a mis en orbite d'attente autour de la géante gazeuse. Ce fils de pute peut pas nous donner les codes de contrôle pour qu'on puisse le ramener en automatique. Peut-être que vous aurez plus de chance avec ce bon à rien. Allez lui parler. Donc tu fais mener par une civile un interrogatoire que toi t'as foiré en tant que marshal? Écoute, je sais pas comment ça s'appelle dans le futur et dans l'espace ou dans ta station, dans ce que tu veux. Chez moi, ça s'appelle l'incompétence un peu. C'est marrant, le point de sauvegarde me précisait ennemi proche. Est-ce qu'il parle de Marshall? Donc il est où ton Marlowe là? Il est derrière. Ah, il est là. Marlowe. Qu'il demande? Je m'appelle Ripley, Bob, je suis de la compagnie. Déjà là pour vous plaindre que votre boîte est vide. Vous n'êtes pas du genre à acheter d'affaires. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis là pour des raisons personnelles. Ma mère était sur le Nostromo quand il a disparu il y a 15 ans. Sérieux? Merde. Basse. Vite. On n'a jamais trouvé son vaisseau, Ripley. Juste la boîte noire. Ouais, enfin, vous avez bien aussi trouvé autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Faut que je foute le camp d'ici, Ripley. Peut-être qu'on peut s'arranger. Racontez-moi tout. Je veux tous les détails. Tout a commencé une nuit d'hiver, en décembre. C'est comme. Tu me reçois, Lewis? Hein? Attendez. Ça fera pas la porte. Bon, vous allez pas commencer. Attendez. On se concentre sur notre objectif. Je veux aucune erreur. Ah, désolé, ça a frappé à la porte. Alors maintenez espace pour pointer vers le scanner. Pointer quoi? C'est parce que je suis une femme? Il parle de ma poitrine, c'est ça? Bande de gros porcs. L'aiguille de direction pointe sur votre objectif. Ah, voilà. Poster, Nix, gardez l'œil ouvert.
beaucoup cet effet casque. Enfin, pour l'instant, c'est juste un chemin tout droit, quoi. Enfin, j'ai pas beaucoup de possibilités. Ah, faut que je fasse gaffe, il y a des trous, j'avais pas fait attention. Je vais jeter un œil de plus près pour voir si je peux trouver un point faible. Attendez-moi ici. Dans l'espace avec des combinaisons, vous n'avez pas peur de bimer vos trucs, vous. J'ai trouvé un chemin, je vais vérifier. Vous prendrez votre mal en patience. Bah, tiens, une corniche à la Indiana Jones, pourquoi pas. Oh, ouais, c'est étonnant ça. Par le même chemin. Ah bah non, je pourrais pas. Parce que moi j'ai pas vu ça, mon gars. Flashback. Ouais, franchement, les graphismes ils sont nickel. Hein. C'est beau, c'est fluide, c'est vachement fluide. Bon, après, ça vient aussi du PC, mais
Je veux dire, ça pourrait être beau et puis consommer comme un porc, mais non, même pas. Les animations, bah, elles sont détaillées, quoi, ça s'accorde pas, rien. Ils n'ont pas des mouvements de robots, les personnages. Il n'y a pas d'aliasing ou de conneries comme ça. Puis l'atmosphère, elle est vraiment sympa, quoi. Les costumes, les outils, les objets, tout est bien dans l'ambiance alien, quoi. Quelle chance qu'il y a un chemin tout tracé jusqu'au vaisseau. Ah, quoique. On a dû poser des explosifs, certes. Un truc énorme. Le fameux. Surtout n'admirez rien, compris. Le fameux extraterrestre. C'est quoi ? Un cockpit ? Ça veut dire que c'est un vaisseau. Qu'on revoit d'ailleurs dans. Comment s'appelle le film ? Prometheus. Le film bien pour un. On perd du temps. Explorez-moi ça. C'était un organisme vivant. Maintenant c'est à nous. Droit d'exclusivité. Eh ben on prendra ce qu'on pourra et on reviendra. Regardez ce qu'on peut trouver d'autre dans le coin. Marco, on a trouvé quelque chose. Des traces. Des traces. Si on a récupéré quelque chose par terre. C'est pas tout. La cible n'a pas de terre. Qu'est-ce qu'il y a ? Des traces mènent jusqu'ici. C'est le même nom qui est inscrit sur la boîte noire. Le claustrobo. L'impression de quelqu'un qui a vu ici. Peut-être qu'ils ont inventé une langue extrême et arrivé ici. J'ai l'impression. Merde. On va savoir ça tout de suite. Je vais trouver cette balise et l'éteindre. Pas envie que d'autres clans du trouvent cet endroit. Foster, Haste, allez vérifier le souterrain. Oh, c'est vachement cool de pouvoir regarder ce truc là de près. C'est perspicace, toi, c'est bien. Ouais, monsieur Courte-Échelle. Pas la balise de T13 de paye. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais la balise a arrêté.
Je sais, c'est lent, mais je peux pas courir. On dirait vraiment un télescope, ce machin. Ou alors un énorme flingue. C'est pas toi, Vénérénère, qui me sortait, qui me parlait des facehugger hier? Surprise, motherfucker! Si on brise le verrou sur les communications, c'est quoi les codes pour le ramener en pilote auto? Si vous voulez savoir le reste, faites-moi d'abord sortir d'ici. Hors de question, Marlowe. Ah ouais? Bon, bah vous savez où me trouver. Wait! Mon écran dans la touche steak est en train de s'affouler. Il est ici. Attendez, au boulot. Quoi qu'il arrive, j'en suis. D'accord, c'est par là. J'ai quelque chose pour vous. Oh yeah! Qu'est-ce que t'as pour moi? Le lance-flamme. Oh, comme dans Alien 2, le lance-flamme. Oh mon dieu. C'est peut-être du fanboyisme pur et simple. Mais j'en ai rien à foutre, je kiffe. Espérons. Oh putain, yeah. Yeah. J'ai une combine pour le piéger. Allez prendre une navette de transit et rejoignez Ricardo à la tour Systex. Et en plus, ça me fait la lumière gratos. Ça m'utilise pas de plus. Fire launcher. Alors, il y a quoi ici? Je sais pas ce qu'il y a par là-bas, je vais fouiller. Uh-huh.
Oui, ici le docteur Lingard. Je viens juste d'examiner une patiente avec... Oh, je n'ai jamais vu ça. C'est une sorte de parasite. Merde. J'ai vérifié vite fait le nom qu'ils m'ont communiqué, mais rien n'apparaît dans les fichiers de Sébastopol. Je pense qu'elle est montée à bord il y a peu. Est-ce que vous savez quelque chose? Je n'ai aucune idée de ce que Sinclair et ses hommes fabriquent, mais ça aurait dû être signalé pendant la quarantaine. Qui sait ce qu'ils ont laissé passer d'autre? La patiente m'attend avec son capitaine dans la salle d'examen. Ramenez-vous maintenant. Est-ce que je dois aller? Ok, ça marche. Tu veux du KFC, mec? Est-ce que tu veux du KFC? J'ai du feu. T'as peur? T'as peur? Tu serais pas ami avec l'alien? Ouais. Je suis sûr que t'es complice. Je te tuerai plus tard. Chemin. Oui. Ricardo doit être devant vous. J'ai envoyé votre copain Samuel son processeur d'Android. Une fois qu'on aura buté cette chose, je lui demanderai d'accéder à Apollo et de lever le verrou. Et Samuel, c'est d'accord? Il a dit qu'il voulait filer un coup de main et moi j'ai trop de choses à faire. En plus, c'est un synthétique. Ça devrait être facile pour lui d'y entrer. Je suppose. Écoutez, Ripley, on est les seuls à pouvoir empêcher cette créature de plonger Sébastopol dans le chaos. C'est trop tard pour ça, Waits. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller tuer cet enfoiré. Ils veulent tuer l'alien? Vous êtes optimiste. Mais mon pote Samuel, c'est un synthétique. Ça, je ne savais pas. Je vais plus le regarder de la même manière. Il va être louche, ce Samuel. À vrai dire, il a toujours été bizarre. À rien glander en me laissant prendre tous les risques. Alors qu'en tant que synthétique, il est beaucoup plus résistant que moi. Le petit cliché où on attend le transport. C'est pas un jeu d'action, donc il n'y aura pas, mais dans Alien 2, il y a un moment où elles scotchent deux mitrailleuses ensemble. Et puis surtout, le gros kiff, c'est que sur les mitrailleuses, il y a un petit afficheur de balles. Je crois que dans un jeu, peut-être Time Splitter, je crois, il y a un flingue à peu près similaire avec le compteur de balles sur le côté. Ah non, dans Red Faction, il y a ça. Je trouve ça tellement mortel, quoi. En fait, ça me donne envie de regarder Alien, ces conneries. Ouais, ils aiment pas le feu, c'est chaud quoi, on peut le comprendre. Après, ça suffira pas à le tuer. Par contre, ça suffit à tuer les œufs. Cette station dessert Sixon Communication. Je suis dans la tour Systech. Ah,
histoire d'éviter de me retaper le trajet et l'attente du tram. Je sauvegarde maintenant. Alors, où est-ce que je dois aller? Tac, tac, ok, ça marche. Ah, bon, je connais à peu près le coin. Par contre, je vais pas me balader au lance-flamme, faut pas déconner. Oh, attends, hop. Il y a quoi derrière cette porte? Mot de passe requis. Mot de passe requis? Ah, mais laissez-moi essayer. Je me souviens d'un mot de passe au début du jeu que j'ai encore jamais utilisé. Oh putain! Oh non, encore un droïde. Veuillez rester calme. Ouais. Ah mais je veux bien te suivre, mais là tu me tabasses la gueule en fait. Laissez-moi vous aider. Mais t'es chaud en plus, bâtard. T'es un enculé quoi. Je lui ai rien fait du tout, il veut me tabasser. Je suis coupable de m'être pris une explosion dans la tronche. Bon ben je vais tester ce truc là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, ok, je vois. Tac 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 tac. Merde. Ah ok. Si t'as monté l'incendie, il est par là. Il est vachement bien foutu là, la fumée. Qui me avec cette station. Elle n'a jamais vraiment bien roulé. Et à cause du démantèlement, il y a plein de systèmes qui ont dû fermer. Ajoutez à ça le fait que tout le monde est trop occupé à essayer de rester en vie plutôt que de faire tourner la baraque. Et c'est le bordel. Civil ou pas civil? Je sais pas. Non, mais pas tout seul. Sûrement pas civil. Ah, bah merde, c'était du civil. Comment je peux le savoir, moi? Je vais pas me laisser tirer dessus pour le savoir, quoi. Putain de merde, quoi. Big badaboom. Oh là là. C'est vraiment des morts à la con, ça. Thank you.
courir peut provoquer les accidents. On dit que c'est le mec qui veut me péter la gueule à main nue. Enfin, le mec. Je vais vous attraper. Je sais que vous êtes par là. Bruit le plus sympa du monde. Oh. Oh bah c'est cool ça. J'avais tiré en plus, j'avais le doigt sur la gâchette. Et boum bim pouf, il a cramé. Hop. Alors je refouille les lieux. Hop là. Wait. Qu'est-ce qui cloche avec cette station? Pour éviter de me retaper un temps de chargement s'il m'arrive une couille. Enfin, un temps de chargement. Me retaper les cinématiques d'explosion. Je vais sauvegarder. Hop là, ça c'est fait. Pop-pop-pop-pom. Oh! Eh, hey, comment ça? Oh putain! Oh sa mère! Mais j'ai bien fait de sauvegarder il y a deux secondes. Ça... Comment... J'ai plus le flingue à plasma là, genre c'est un truc à usage unique. Je pensais que c'est un truc que j'aurais toujours sur moi ça maintenant. Oh là là. Putain, il m'a surpris ce salaud! Bonjour les civils, je ramène un alien. J'espère que... Qui vient d'exploser là-bas. C'est le cadet de vos soucis, la créature est pas loin. Vous avez entendu la demoiselle, on dégage. Oh putain, ça fait quelque chose, je regardais ailleurs. Si l'on vous voit, courez, cachez-vous, sortez du champ de vision, puis restez dans une cachette. Plus vous avez de chance de semer votre poisson. Ok. Ok. Attends. Pour faire un medikit, j'ai besoin de pistolet seringue, mélange B et un champ collant. Ouais, je peux pas sauvegarder maintenant, c'est fini. Bon. Et on
bonne blague. Je me gausse devant ton plan. Ce que j'entends, c'est faites tout le boulot, nous on appuie sur. Deux sources de vie, deux mouvements. J'ai suivi en grosse diagonale ce qui se passe sur le chat. T'as un problème pour faire quoi? C'est quoi que t'arrives pas à faire? Est-ce que mes lives s'enregistrent automatiquement? Oui. Oh, c'est un droïde. Mais il va m'embêter lui. Qu'est-ce que je veux dire? Ok. Barrer l'accès vers l'ascenseur. Barrer l'accès vers l'escalier. C'est vague. Putain, tu m'as fait peur, là.
peut-être pas passer loin qu'il me voit, je pense. Bonne sauvegarde, s'il vous plaît. Attends. Verrouiller toutes les issues, bloquer l'accès à l'escalier, verrouiller le couloir de l'entrepôt des provisions. Comment je fais, moi, pour passer avec ce droïde de mes couilles sur le chemin? Oh non, genre il en a rien à foutre du droïde, l'alien, quoi. Rien à péter. Putain, ah là là, je crois que c'est... Ah non, bon, ça va, j'ai sauvegardé. En plus, le droïde est juste à côté. Putain, sa maman, quoi. Il y a le droïde à la con là qui est juste à côté. Ah merde, c'est bon. Faut que j'ouvre la porte d'abord. Ma gueule, mec, tu débarques tellement vite, quoi. J'ai même pas le temps de respirer. Oh là là là. Il y a deux sources. Et après, il y en a une qui disparaît.
Ah, les droïdes, ils ont des répliques. Ici d'abord, si on a pas un petit point de sauvegarde. Sauvegarde, par contre, j'entends clairement l'alien. Putain, j'ai envie de sauvegarder. Je vais pas le trouver, ce point de sauvegarde, je crois. Droïde en gros comique, espèce non identifiée. Est-ce que je peux rebrousser chemin pour aller me faire une sauvegarde? Je vais essayer. C'est quoi qui avait rapport là-bas? Putain, sort un fumigène, connasse.
Ferme-toi, putain de porte. Ok, une petite sauvegarde. Putain de ça, maman. Bon, je suis un peu plus serein maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tac, tac, tac. Vous voyez la couleur de l'entrepôt de provisions. Oh bah, l'alien. Heureusement, il m'a pas vu. Bon, bah, ça reste par là-bas que je dois aller de toute façon. Ça n'a pas brûlé tout seul. Le druide. Le druide et l'alien. Ils seraient presque copains-copines, quoi. Mal fait parce que dans le jeu l'android il prend cher contre le contre l'alien. Je dois faire quoi? Verrouiller le couloir de réception, nanana nanana.
fuck. Shit. Je peux me rendre là-haut, moi. Putain, il y avait quoi déjà au bout du couloir là-bas? Attends. Oh, déjà, il y a un plan que je vais pas ramasser comme un idiot. Cadavre sur lui, il a pas une carte d'accès ou une connerie du genre. Bon, ça veut dire faut que je redescende. Ah, je l'ai pas fait. Spécialement peur de me battre contre les androïdes, mais le souci c'est que si je me bats contre lui, ça fait du bruit et ça alerte à l'alien. Allez, un petit point de sauvegarde, faites pas vos chiens. Là. Un point de sauvegarde, je te demande pas grand chose. Sept, sept, huit, neuf. Je dois faire quoi là? Activer la commande d'allumation de Ricardo. Ben, je l'ai fait ça, je viens de le faire, non?
que j'avais fait là il y a deux secondes? Non, non, non. Ah, c'était ça. Ricardo, réception du centre du serveur bouclé. Bien joué. Va dans la grappe de serveur. Discretos. Mec, file-moi un putain de point de sauvegarde. Si je crève, mais tout ce que je vais avoir, on va taper, c'est horrible quoi. Je veux sauvegarder, je veux sauvegarder. Oui, c'est bon, je peux mourir. Ah. Ah bah maintenant je peux me balader tranquille. Alors. Toulouloulout. Qu'est-ce qu'il me disait? J'ai pas écouté. Je vais me déplacer en sprintant maintenant que je peux. Oh, des traces de pas. Un druide. Comment est-ce que je pourrais le tuer? Est-ce que le taser marche? Mais tu vas mourir, ouais? Ce n'est pas la solution. Oh oh. Oh oh. Putain, le taser le plus pourri du monde, quoi. Oh, j'ai claqué trois charbons lourds. Tu vas te soigner, pauvre conne, là. C'est dingue. Bon, c'est des trucs qui en valent le coup ici. Oh merde. L'accès à la porte et maintenant je vais pouvoir faire le tour. Merde.
par là que je peux me rendre, mais je fouille, je fouille. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Je récupère plein de machins. Hop. Ah, j'ai déjà le maximum de medikits sur moi. Pistolet soin, non, je les garde pour le medikit maintenant. J'ai bien fait de venir fouiller par ici, j'ai vraiment trouvé plein de trucs sympas. Je vais même aller re-sauvegarder dans la foulée. C'était où le point de sauvegarde? C'était... Oh, je sais. C'était ici. Hop, maintenant je vais continuer à la mission. Donc, je vais fouiller le coin. Alors, je passe par la droite. Ok. Ok, ça marche. Tu m'as pas vu. Il y a une lumière rouge là-bas. Éclairage pyrotechnique, je vais enquêter. Putain, ces androïdes, je te jure. Ah tiens, j'en ai dire deux pour le prénom, quoi. C'était au centre de la salle où j'étais, il fallait faire un truc. Ah le con. Putain, je m'éloigne de la salle où je voulais aller là. Ah ok.
pas ça que je voulais faire. Merde! Là, elle est fermée des deux côtés. Ah là là! Faut que je passe par là. Putain. Ça m'aura coûté cher en fumigène, toutes ces conneries. Non, mais putain, c'est fermé par ici aussi. Elle est vraiment obligée de se mettre debout pour faire ça. Elle. À activer tes trucs quand je te le demande pas et à mettre 50 ans quand je te le demande. Putain, mais c'est ici que je peux activer un truc. What? Comment je fais pour aller là-dedans sans crever? Comment je fais moi? Ah le con. Ah, doublement le con. Faut que j'arrête de faire de la merde. Je sais pas que c'est quoi qui fait bip 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 mais...
Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est morte, mais genre empoisonnée. Oh là 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 là. Je pensais que ça se serait désactivé cette connerie. Quoi. Gueule. Ferme ta gueule, pauvre conne. Oh. Espèce non identifiée. Ouais, je vois, il en a rien à foutre des droïdes. Qu'est-ce que c'est que ce rebond tout pourri? Des fois je me dis que j'ai de la chance, que je ne veux pas. Il m'a... Putain, j'ai sorti ma tête deux poils de seconde, quoi. Deux poils de seconde. Il m'a repéré direct. Cache, quoi, la saloperie. Bon. Non, des noms, des noms. Non, pistolet seringue, c'est pour les medikits. Non. On utilisait un alors pour me fabriquer, pour me débarrasser de tout le reste. Attends, le medikit,